Salut à tous, bienvenue dans ce comptoir du jeu vidéo un petit peu spécial. On va revenir sur l'année 2016, on va vous parler un peu des jeux qui nous ont marqués. On va faire un top 3 et un petit flop, voilà, donc des jeux qui nous ont déçus. Mais avant, je voulais juste remercier un petit peu tous ceux qui nous suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Alors on est des tout petits, hein, on n'a rien à voir avec des grandes chaînes de YouTube. Mais bon, ça nous fait plaisir, les petits commentaires, ça fait toujours plaisir. On a dépassé le nombre de 100 vues sur YouTube, waouh! Pour nous, c'est un truc de ouf. Et en tout cas, on est vraiment contents, on vous remercie. On remercie aussi Gameblog.fr qui nous met souvent en home de page. Et puis bien sûr, tous ceux qui nous entourent. Donc il y avait Vavache qui était venu, mais je tenais aussi à remercier vraiment toute l'équipe qui répond toujours présent quand ils peuvent, en tout cas, parce que c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, on s'éclate à le faire, on espère que vous aimez ce qu'on fait. Et que 2017 sera aussi une belle année. Trêve de remerciements, place au top! Donc moi en top 3 j'ai mis Batman Arkham VR, qui est un jeu en réalité virtuelle. Pour moi c'est exactement ce qu'un jeu en réalité virtuelle doit faire, c'est-à-dire pas essayer de singer les jeux habituels. C'est simple, avec la réalité virtuelle on est Batman, c'est ultra immersif, on a l'impression d'évoluer vraiment dans sa grotte, dans Gotham City. En plus, il y a vraiment un fond, il y a des bonnes idées, donc je vais pas trop spoiler, mais vers la fin, il se passe des trucs pas mal. Le jeu est un petit peu court, c'est un peu dommage, et j'aimerais vraiment que Rocksteady fasse d'autres épisodes comme ça, des petits épisodes en plus avec ce gameplay, ce serait vraiment génial. Donc, salut à tous, pour mon top et flop pour 2016, en troisième position, j'ai choisi comme jeu No Man's Sky, que j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup adoré pouvoir passer de planète en planète. Crafter des objets, voir des animaux, leur donner des noms, pouvoir donner des noms aussi aux planètes, à la faune et à la flore, en fait. Enfin, tout ça, j'ai beaucoup apprécié, et le fait aussi que la communauté puisse suivre tout ça. Bonjour à tous, c'est le chat. Ouh, il est mignon. Allez, dégage. Oh non, culé, il perd ses poils. CBZK, point top et un flotte, un flop. Je recommence. En troisième position, je mets Planet Coaster. Jeu de simulation de gestion de parc à thème. Disponible sur PC uniquement, sur Steam, ou en piraté, tout dépend. C'est un très bon jeu, où tu passes énormément de temps dessus à créer tes propres attractions et tout, tes propres montagnes russes. Et bonjour CVL, et je vais vous présenter aujourd'hui mon top 3 pour cette année 2016. Alors on commence en troisième position avec Fire Emblem Fates, que j'ai vraiment adoré. Voilà, trois jeux en un, vraiment génial, de longues heures de jeu. Si vous aimez le tactical RPG, je vous le conseille. Hey, salut tout le monde, c'est Nelf, en direct de la montagne. La montagne, ça vous gagne. Dans mon top 3, j'avais bien un jeu que j'avais en attente pour cette année. Donc, Pokémon Lune, que j'aime beaucoup, voilà. Je fais doucement, parce qu'à chaque fois que j'y joue, je m'endors, mais c'est parce que je suis fatiguée. Ensuite, en top 2, je dirais Planet Coaster. Parce que même si c'est un jeu où tu fais ton parc d'attractions, je m'éclate et c'est super addictif. C'est un truc de malade. En top 2, je mets Uncharted 4. Je vous en avais parlé lors de ma critique. Pour moi, c'est vraiment un grand jeu. C'est un jeu qui a fait un peu polémique, mais moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, bien sûr, le jeu est magnifique, il reste splendissant, mais c'est pas pour ça que je le mets en top 2. C'est parce qu'il est aussi profondément humain, je trouve. Donc, la relation entre Drake, sa femme, ses amis, son frère, est vraiment bien développée, on va dire. C'est la première fois que Nathan Drake devient attachant. Même s'il était un peu rigolard, on va dire. Là, on voit qu'il a pris du recul. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a trouvé. Il nous attend sur une île au large de la côte. Ok, attends, temps mort. Ce job en Malaisie, ça a jamais été que du vent. Tu sais. D'accord. Non, attends. Moi je trouve ça génial, ça fait totalement écho en moi, donc vraiment super au niveau de la narration. Narration qui d'ailleurs est fluide et qui s'intègre dans le gameplay lors des discussions pendant vos actions. Les personnages continuent à parler de manière vraisemblable. Merci Naughty Dog pour ça et j'ai vraiment hâte de voir le DLC du coup qui est prévu pour 2017. Deuxième position, je mets Unravel. Unravel qui est un jeu de plateforme d'un petit personnage tout mignon en laine rouge. Qui nous fait traverser les comtés lointains et nordiques de la Suède.
très beau jeu graphiquement, la neige super bien reproduite, la forêt, les champignons, tout ça. Vraiment très beau. C'est vraiment magnifique. J'ai fait des screenshots du jeu. C'est vraiment. Tu pourrais mettre ça dans un cadre et faire un tableau avec. Unravel, leur deuxième position, qui est un très bon jeu, qui est beau graphiquement et qui est beau poétiquement, je vous le conseille. Je passe ensuite en deuxième position avec un jeu sorti beaucoup plus récemment, qui est Final Fantasy XV. Alors je l'attendais énormément, mais malheureusement, il n'est qu'à la seconde place du podium. Je vous le conseille très vivement si vous aimez la saga des Final Fantasy. En top 2, Mother Russian Bleeds. Ouais, en fait, à chaque fois, je confonds un petit peu le sens. J'ai adoré aussi ce Beat'em All, j'ai beaucoup aimé, c'est un petit jeu, il est pas très long, mais il a quand même une bonne durée de vie. Je l'ai fait directement en coop, donc un bon Beat'em All à l'ancienne, un petit peu style graphique de Street of Rage. Et mon top 1, j'ai choisi Battlefield 1, du coup, qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale. Battlefield 1, forcément je le mets en première position, étant fan de Battlefield. J'ai vraiment aimé l'ambiance de ce jeu, elle est vraiment lourde, pesante, on sent vraiment l'impact que cette guerre a eu sur le monde et c'est vraiment très intéressant. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce jeu. Qui est énorme, franchement l'histoire courte forcément parce que c'est maintenant tout est basé sur le multi, mais qui est sympa. Petit bémol pour ce jeu, j'ai pas trop apprécié le fait qu'on ne puisse pas jouer l'armée française. Oui, forcément la politique de qu'il n'y a pas l'armée française et tout, mais bon, ça va venir en mois de décembre, ça va venir ce mois-ci. On va pouvoir jouer avec l'armée française et russe. Surtout pour la Première Guerre mondiale, je trouve ça un petit peu aberrant, mais bon, tant pis. Très bon jeu, carnage, on revient sur les bases, chars, avions, bordel. C'est gros carnage. Et en numéro 1, je mets Life is Strange. Alors, c'était un jeu épisodique sorti en 2015, mais moi j'ai eu la version CD en 2016. Pour moi, c'est mon numéro 1, top 2016. Pourquoi ? Parce que je trouve que, bah, un peu comme Uncharted, c'est un jeu profondément humain, sauf que là, c'est plus sur la narration, voilà. C'est plus un film interactif, mais moi, encore une fois, j'adore ce style, hein. Je vous renvoie à ma petite critique juste là. On voit le passage de l'adolescence à l'âge adulte, saupoudré d'un petit peu de voyage dans le temps, c'est vraiment ultra exaltant, on est pris dedans dans cette histoire avec cette jeune Maxine qui fait des choix de plus en plus difficiles au fur et à mesure qu'elle utilise ses pouvoirs pour voyager dans le temps. Donc c'est vraiment un jeu qui m'a touché, c'est pour ça que je le mets en numéro 1, que ce soit sur des thèmes comme la mort, l'amour, tout simplement la vie, quoi. Voilà. Et en top 3, alors là, c'est un super truc. Pour moi, c'est le retour de la boîte aux lettres Nintendo. Oui, la boîte aux lettres Nintendo est revenue sur la 3DS et je trouve ça super bien. Bon, je vous dis à tout à l'heure pour le reste. Voilà. Et en première position, je mettrai Odin Sphere, la réédition PS4, hein, qui est pour moi mon coup de cœur de l'année. Vraiment très bon jeu, de longues heures de jeu, voilà, les graphismes sont vraiment magnifiques. Rien d'autre à ajouter, si ce n'est qu'il est vraiment exceptionnel. Flop 3, j'ai mis en troisième position la VR de PlayStation. Je suis pas convaincu dans le sens où, en espérant qu'ils vont sortir des jeux bien dessus. J'ai pu le tester vite fait et tout, mais sans plus. Je suis pas convaincu. Gadget pour moi, en espérant que ça passe pas comme la Kinect. Et pour mon flop, du coup, c'est aussi un jeu qui est dans mon top, et c'est No Man's Sky. Et oui, parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup apprécié le fait que l'environnement, tout l'univers du jeu manque d'épaisseur, il manque vraiment d'enjeu. Dans ce jeu, il manque le côté... je sais pas, interaction avec les gens qui font qu'il y a un enjeu, chacun parle de sa petite histoire à lui, ou alors même ça ni queue ni tête, plus on apprend la langue, plus on se rend compte que le mec il dit oh, il a fait beau ce matin, et puis d'un seul coup il nous donne un truc. C'est vraiment bizarre, mais c'est ça que je trouve dommage dans ce jeu, c'est le manque d'épaisseur, le manque d'interaction même avec d'autres joueurs. Il n'y a rien du tout, à part le fait d'avoir les noms, on n'a pas du tout de possibilité de bataille entre joueurs, ni même de coop. Donc du coup, je trouve ça un petit peu dommage pour ce jeu. Voilà, donc ça c'était pour mon top et flop et mes attentes de 2016. Et je vous dis à tous, du coup, un joyeux Noël. En flop 2, j'ai mis The Division. Flop dans le sens où multi, en fait, c'est vraiment chiant. C'est comme du Destiny, j'ai pas accroché à Destiny, du coup,
Et un petit peu la communauté, on va dire, de The Division qui est un peu... les enculés, on va dire. Bref, non, pas des enculés, qui sont un peu... voilà, ils sont... c'est un peu casse-couille, quoi, on va dire. La communauté me fait chier du sang. Et en flop, je mettrais Mafia 3. Alors Mafia 3, c'était pas un jeu que j'attendais énormément, mais j'avais adoré le 2. Du coup, je me disais, bon, le 3, ça va être un bon jeu, quoi, c'est sûr. Alors, l'ambiance est cool. On a vraiment une ambiance des années 60 avec des thèmes assez importants comme le racisme, ce genre de choses qui sont bien traités. Le début est super punchy, on est vraiment dedans, on se dit ça va être génial. Et les musiques aussi, les musiques sont terribles. Alors qu'est-ce qui cloche dans Mafia 3 ? C'est le rythme du jeu, la structure du jeu. On fait tout le temps les mêmes actions ad vitaernam, c'est ultra lassant, c'est répétitif, ça devient saoulant à la fin. Mais comme l'histoire est bien, on a envie de continuer. Et ça m'a gonflé de finir ce jeu, mais j'étais contente de finir. Donc gros carton rouge pour Mafia 3, vraiment, je suis très déçu. J'espère que s'il y a une suite, ce sera vraiment mieux. Pour moi, le jeu qui m'a le plus déçu en 2016, c'est Street Fighter V sur PS4. Et oui, tout à fait, j'attendais vraiment beaucoup de ce jeu. Voilà, une licence qui est quand même exceptionnelle. Très très déçu de cet opus PS4. Notamment lors de sa sortie. Alors il y a eu beaucoup de mises à jour depuis qui ont agrémenté le jeu. Cependant c'est vrai que le jeu est sorti beaucoup trop tôt je pense. Ce qui fait que voilà, pour moi c'était le flop de l'année. Donc je vais peut-être attendre une version Game of the Year avec tous les DLC pour peut-être me le reprendre. Allez, ciao. Pour mon flop, je vous dirais Pokémon Go parce que c'est vachement répétitif. Première position, je mets Pokémon Go. Qui a fait toute une histoire à la sortie et tout, c'était vraiment énorme. J'ai un peu du mal en ce moment. Bon, là, il y a les nouveaux Pokémon qui sont sortis, mais bon. Mais dans le temps, qui est devenu chiant, clairement, parce que tu habites à la campagne, j'habite à la campagne, c'est mort. Tu t'attrapes que des ratatas et tu attrapes que des roucoules. À la fin, c'est casse-couille. Il faut bouger sur Paris ou il faut bouger dans les grandes villes pour pouvoir choper éventuellement des Pokémon. Ouais, une fois de temps en temps, mais c'est pas un réflexe. En plus, ça bouffe trop de batterie. Enfin bon, bref, je suis toujours à la montagne. Yeah! Le côté positif de Pokémon Go, c'est que ça a fait sortir les gens. Ça, je suis d'accord, dans le sens où je connais une personne qui est un vrai geek, qui ne sort pas beaucoup de chez lui, juste pour aller faire des courses ou pour rester les jeux vidéo. Rodi, c'est toi. Je sais qui vous regarde. Ça l'a fait sortir. Mais sinon, Mitomo, c'est pareil. J'ai du mal à me remettre dessus. C'était sympa, mais en fait, là, je comprends plus trop l'intérêt. Après ce top et ce flop 2016, je vais vous laisser. Je vous souhaite un joyeux Noël. Bon réveillon, profitez-en. Attention à vous. Ciao, à plus, les amis du comptoir du jeu vidéo.